Bon. J'aurais essayé de streamer sur Streamlabs. Parce que j'ai l'impression que le son sur Streamlabs, sur Gérald, moi, enfin, je pense même que sur tous les jeux, il n'y a pas de. Alors pour moi le son n'est pas comme sur OBS, c'est-à-dire ce fameux son où il y a où c'est de l'écho quoi. J'ai pas joué longtemps, hein. J'ai pas joué longtemps. Juste pour voir si ça remarche. Ça. Tombe. Mais trois tombes, intéressant. Pas très rassurant, mais bon, trois tombes. Descendez-les! Descendez-les!
Mais attends, mais... Bonjour à vous. J'ai besoin de savoir comment trouver ce livre. M'aider. Il y a un endroit qui mérite un passage. Merci. À la prochaine.
Et en fait, les autres, là, ils ont reconnu d'avoir tiré sur le. Peut-être pas condamné à mort, mais ils ont reconnu que c'était eux qui avaient tiré sur l'avion. Et que c'était un tir accidentel. Ouais. On va dire ça comme ça. Ils vont presque limite dire que c'est le logiciel qui permet de que les s'il part, que c'est le logiciel qui a bugué, c'est pas eux. Ouais. Ouais. C'est pas moi, c'est la machine. Ouais. Ouais. C'est comme j'ai dit un missile, ça se lance pas comme une mitraillette ou machin, ça t'appuies sur le bouton. En plus, il y a des vidéos d'amateurs qui ont été qui bizarrement ils ont filmé à. Ça se demandait si ça n'a pas été fait exprès. C'est à se demander si ça n'a pas été fait exprès. Ce qui est le plus embêtant, c'est pour ceux qui font les calculs, comment on appelle ça, les ceux qui comptent là, les comment on appelle ça, les. Ce qui va être plus embêtant, c'est ceux qui ont, c'est qui calculent tous les ans là, combien qu'il y a de personnes dans. Comment on appelle ça. Ce qui est embêtant, c'est ceux qui comptent, c'est les ceux qui comptent pour savoir combien qu'on est. Et voilà. Ah bah si, c'est emmerdant. Oui, voilà. Bah si, c'est emmerdant parce que. Oui, d'accord, mais c'est quand même emmerdant parce que 175, il faut que. C'est... Bah, naissance, mort, tout ça. Ils font pas des recensements ici depuis qu'on est ici. Ouais. Même à Vélizy, on n'a pas eu de recensement. Ah bon? Ah bon? Ah. Je sais pas, je m'en rappelle pas. Je sais pas, je m'en rappelle pas. Mais je sais que j'envoyais par un moment donné des mecs avec des valises et tout. Ouais. Sonner chez les. Sonner pour savoir si. Ils sonnent chez les gens. Ouais, ouais. Et puis ils leur demandent de remplir le questionnaire. Ouais, ouais. Mais j'en ai vu ici dans les pavillons. Parce qu'ils font ça dans. J'en ai vu une fois, il faisait pavillon par pavillon. Ils font pas tout le monde, hein. Non, mais ils font pavillon par pavillon. Ils font pas. Ils font. Je sais pas comment ça se passe, les recensements, j'en sais rien. Bah oui, comment ça se passe. Il doit faire pavillon par pavillon.
Bon. Y'a pas de bug à ça. Bon, je vais me chercher un verre à boire. Je reviens. Mais de toute façon, les recensements, c'est un mec. Courageux, mais pas tes mères. Ah oui, bah oui. Courageux, mais pas tes mères. Ah oui, bah oui. Non, moi non plus. Non. Non. Même son pays. Après, parce que peut-être qu'ils savent pas ton prénom, mais peut-être qu'ils savent pas ton nom et ton prénom, mais ils voient hein, dans les trucs. Hein. Ah. Ah. Ouais. Ah, moi non plus. Non, moi je vais non. Non, puis après, c'est un truc en merde, après, c'est un truc en merde. Parce que certes, ils ont pas tourné ton prénom, parce que c'est confidentiel, normalement, c'est censé être confidentiel, mais... Non. Oh, il y a déjà eu des erreurs de jugement. Mais d'accord, mais bon, il y a déjà eu des erreurs de. Il y a déjà des joueurs qui sont gourés, hein. Ouais.
Mais bon, vaut mieux que ce soit le... Vaut mieux que ce soit le juge qui s'en prenne plein la gueule que le juré. De toute façon, le juge, il est avec les jurés dans la salle. Hein. Donc, ouais. Il donne un peu son avis. Il l'oriente. Il l'oriente. Hein, il donne pas son... Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais à mon avis, il oriente non, un moi, peu je serais pas tranquille. Le débat. Mais de toute façon, c'est les jurés à la fin. Moi, je serais pas tranquille. Il va, comme tu dis, si t'as abusé alors que c'est pas vrai, le mec, il va en prison. Il ressort, il te retrouve. Bon, allez, je vais faire mal. Ouais. En plus, dans les villages, dans les petits villages, dans... Bon, allez. Bon, bah apparemment ça a pas l'air de merder, a priori. Je sais pas si ça va durer parce que. Je sais pas ce qui s'est passé la dernière fois, ça avait bugué. Perte d'image, je sais pas quoi. Il y avait des pertes. Ça m'avait au moins. Ça m'a. Une diffusion qui devait durer peut-être une demi-heure, une heure, je sais plus. Ça me l'a fait en plusieurs fois. Apparemment. Mais ben, apparemment, ça n'a pas l'air de bugger, quoi. Apparemment. Ce serait marrant que ce mixeur, il se mette à vouloir jouer à ça. Puis que, comme je suis le seul français qui diffuse sur GS, sur Mixer, Twitch et puis toutes les autres plateformes. Ce serait marrant qu'il veuille soudainement jouer à ce jeu en coopération. Puis qu'il pense à moi, quoi. Ce serait... Non. Je dis ça, mais non. C'est... J'ai pas du tout envie. Qu'il pense à moi, j'ai pas du tout envie. Bien, j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie. Parce qu'après, ils emmerdent tout ça, etc. Non, pas envie. J'ai pas spécialement envie d'avoir des problèmes. Pas. Même pas une question de problème, c'est une question que. Voilà quoi. Contact, j'ai des ennemis droit devant. Par contre, j'ai des problèmes. Oula, t'arrives où le mec là? Voilà. Mais dis quoi toi? Du con? Tu sais ce qu'il dit le du con? Non mais oh, pas de respect hein. Pas de respect, non mais oh. Non mais oh, c'est quoi ça? Ce serait un peu ironique de leur part, surtout ces mixeurs, de vouloir jouer avec moi, quoi. Ce serait de l'ironique. De l'ironie. Ce serait ironique. Ce serait ironique. Ce serait ironique et ce serait limite du foutage de gueule. Puis bon, jouer avec moi... Ah, jouer avec quelqu'un ce mixeur, oui, moi y a pas de problème, mais pas avec d'autres. Non. Non. Puis, je connais le mixeur, quand j'ai commencé à vouloir jouer avec un autre, ça va faire l'histoire. Ça va finir par se savoir, etc. etc. Donc, moi, j'ai pas envie. Ça va encore faire des histoires. Ah, il joue avec lui, machin. Ah. Oh là non, j'ai.
Puis j'ai l'expérience aussi de certaines personnes qui ont voulu jouer avec d'autres sur Mixer. Et quand ça s'est su, après ils ont eu des problèmes. Ouais, tu joues avec lui, etc. etc. Non. Bon, je veux bien tout ce qu'on veut, mais. Voilà. Voilà. Après, ça vient savoir, et puis après, il y a des. Après, ça vient savoir. Après, ça vient forcément savoir, donc. J'ai pas du tout envie. Non, parce qu'après, ça vient de savoir, quoi. Après, ça vient de savoir, après. Oui, il joue avec lui, etc. Voilà. Comme ça, moi, je joue avec personne. Comme ça, moi, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de jalousie mal placée, il n'y a pas de. Voilà, comme ça, tu comprends. Si je joue avec. Non, parce que. La dernière fois, j'ai vu ce que ça a fait, j'ai eu plein de problèmes. Des réflexions mal placées qui m'ont été dites, etc. Enfin, bref, donc, c'est... Alors après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu t'en fous des autres. Et... Non, moi, je m'en fous pas des autres. Parce que après, ça fait des histoires, après, ça circule sur le mixeur, etc. etc. Donc, non. Je pense que j'ai assez morflé la dernière fois, j'ai pas du tout envie que ça recommence. La dernière fois, tout ça parce que je jouais avec des personnes qui appréciaient peut-être pas ce mixeur, que moi j'apprécie mais que apparemment ils appréciaient pas. Donc, non, j'ai pas du tout envie que ce que s'est passé la dernière, que ça recommence, c'est pas du tout envie. Donc, non. Je pense que j'ai assez morflé cette année. Je pense que j'ai pas mal morflé. C'est pareil pour ceux qui veulent se faire une team sur Mixer. Hein, je leur souhaite du courage. Hein. Parce que je leur souhaite vraiment du courage. Hein. Je sais que moi, je ne le ferai pas. Même si quelqu'un un jour vient me voir et me dit, bah tiens, je vais créer une team, etc. Je dis, ouais, bah c'est bien, tu as créé toute la team. Ouais, bah c'est bien. Sauf que ta team, tu l'as créé tout seul, quoi. Moi, tu m'oublies. Moi, tu m'oublies. Voilà. Même si un jour je me crée une team et que c'est sérieux, Même si un jour je me crée une team et puis que c'est une team sérieuse, j'en parlerai pas sur ce mixeur. Ça, c'est sûr. J'en parlerai, c'est peut-être Twitch, peut-être YouTube, mais Mixer. Non. Après, ça fait l'histoire après. De toute façon, je pense que ce Mixer, même une team qui, comme ça, qui paraît pas être dangereuse, entre guillemets, pour Mixer, ça l'est. Donc, Non, gentil à mon avis, mais. Gentil, mais. Faut pas non plus. Faut pas non plus. Non. C'est trop risqué, quoi. Je m'en étais bien créé une team, mais ça remonte à longtemps. Ça remonte à. Je m'étais bien créé une team, mais ça remonte à longtemps, quoi. Ça remonte à très longtemps. J'ai voulu créer une team comme ça pour voir ce que ça faisait. Bah... Ouais. J'avais eu dans l'idée de... Dans mon idée intérieure de... Mais vraiment intérieure de me créer une team. Parce que à l'époque, je me suis dit, bah tiens, les autres ils le font, donc pourquoi pas moi. Et quand je vois que ce mixeur, quand tu commences à te créer une team, quand ça commence à se savoir, il y a les mauvaises langues qui. Il y a les langues de vipère qui sont là pour. Pour faire en sorte que ta team.
pour faire en sorte que ta team elle qu'elle se fasse un pas connaître et puis etc. Donc oh, c'est des mauvaises langues, c'est des mauvaises langues, mais bon les mauvaises langues c'est certains diraient mais il faut que tu le fasses, tu le laisses parler, de toute façon c'est pas du tout intéressant. Mais bon, les mauvaises langues des fois ça peut faire des dégâts. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Je sais que moi. Non. Même si un jour j'ai une team et que c'est sérieux, que la team elle est. Non. Même si un jour je manquerai une et que c'est vraiment du sérieux. Non. Parce que je commence à connaître Mixer, hein. Si ça vient à savoir, ils vont encore dire ouais, il y a une team, etc. Donc, non. Je pense que j'ai assez donné. J'ai pas vraiment envie de. J'ai pas vraiment envie que ça recommence. Pas tellement envie. Je n'ai pas vraiment envie. Après, évidemment, certains vont me dire « Ouais, mais tu te fies trop aux autres. Tu te fies trop à ce que vont penser les autres, etc. » Je dis « Ouais, bah... » »« Ouais. » »« Bah, écoute, hein. Si je me fie trop aux autres, bah, voilà, hein, c'est tout. Hein. » Il y en a certains qui font confiance à Mixer sur beaucoup de points, bah, je leur fais pas confiance. C'est tout. Il y en a qui font l'erreur de leur faire confiance, bah moi je ferai pas cette erreur là. Je ferai pas la même erreur. La même erreur. Après ils font ce qu'ils veulent les autres, hein. Après moi j'oblige pas à me croire, j'oblige pas à... Mais bon. Voilà quoi. Faut juste qu'ils prennent conscience que s'ils font une team sur un mixeur, s'ils font une team sur un mixeur et que ça vient se savoir, que leur team, elle ira pas loin, quoi. J'irai pas malheureusement parce que bon, mais leur team, elle ira pas loin, quoi. Déjà que moi on m'en a créé une, je savais même pas moi-même que j'avais une team. Donc ceux qui ont réellement une team, que ceux qui l'ont créée, etc., que c'est bien de savoir ces mixeurs. C'est pas bon. C'est pour ça que faut se faire discret. Moins ils en savent, mieux c'est. Laissez-moi tranquille. Moins ils en savent, mieux c'est. C'est vous qui avez besoin d'aide avec le médicament? Wow. Alice B, regarde un peu ce canon qui débarque là pour nous aider. Ouais, Gertrude, le médicament, carrément. Ouvrez la bouche et tirez la langue. Il paraît que les gens en ont vraiment besoin. Moi aussi, j'aurais besoin d'un petit peu. Gertrude, arrête. Mais on n'a jamais de visite. En fait, Gert et moi, on a besoin d'ingrédients, mais on est... Comme qui dirait...
assigné à résidence. Si on met le nez dehors, bang bang, on nous trouve la peau. Laissez-moi deviner, vous voulez que je les récupère pour vous? Ce serait bien urbain. Il nous faut plusieurs étoiles de la mort. C'est des champignons spéciaux. Ils poussent dans la forêt, sur les hauts plateaux. Donc en gros, Smuggler Cove, Wild Coast et Whaler's Bay. Vous voyez le genre? Je vais voir ce que je peux faire. Amusez-vous bien. Alors, raconte-moi un peu ce que je fais dans le détail. Sentinelle 1, rappelez que tous les véhicules autonomes seront désactivés jusqu'à la fin de la loi martiale. Vous êtes un vrai trésor, nous avoir apporté tout ça. Ça va bien nous aider. Oh. J'ai pas assez de souches bactériennes pour préparer le médicament avec ce que vous avez récupéré. Et où est-ce que je vais trouver ça? Peut-être dans les appareils de réfrigération qu'utilisent les scientifiques de Skell dans notre pot frigorifique. Les bactéries doivent rester à basse température, sinon elles s'abîment. Vous voulez quoi? Que je kidnappe un frigo? Eh bien, pourquoi pas. Les souches s'altèrent à température ambiante. Donc, vous avez environ une heure pour les rapporter. Alors, traînez pas en route. Vous êtes pas bête? Je suis sûre que vous trouverez un moyen. Ça vous dérange pas? Non, non, c'est bon. On apprécierait vraiment. On peut pas bouger à cause de l'assignation à résidence. Pour la peine, on vous concoctera le premier échantillon du médicament avec les ingrédients que vous rapporterez. Ça me va. On se voit plus tard. Ouais, c'est là où j'étais terre. Bon, bah moi je vais arrêter là parce que mon père il vient de rentrer. Hop. Je vais voir sur la rediffusion si le son est nickel. Hop.